Yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de toute la team. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une très grosse vidéo. Vidéo très spéciale déjà. J'aimerais que tout le monde se présente en donnant son plat préféré. Steak, frites, salade, pas de carbo. Pas de ketchup, pas de ketchup. Burger. Bah ouais, la base, la base. Pas de carbonara. Bah les bolos du coup. Raclette. Sandwich, steak haché, cordon bleu. Oh, c'est précis. Filet de bœuf saignant, purée de ma grand-mère. Oh là là. C'était sûr. Très précis. Du coup en vrai il y aura les chaînes de tout le monde dans la description et tout les gars, mais je pense que la plupart vous connaissez. Bref, aujourd'hui les gars je vous explique le concept de la vidéo. Dans cette vidéo ça va être très simple, en gros le concept. Tu vas nous l'expliquer. Oui bah dis viens, moi je suis venu hein. Non en vrai le concept les gars ça va être un petit peu un jeu de salle des fêtes. Peut-être vous avez déjà connu ça en salle des fêtes pendant les mariages ou quoi que ce soit. En gros nous on va tous être assis dans le canapé. Il y a Dobby ici présent. J'avoue Dobby tu t'es même pas présenté. C'est quoi ton plat préféré? Des escargots. Ouais. Du coup les gars, Dobby va nous dire à partir de maintenant vous me ramenez tous un tabouret. Et on va devoir tous aller dans Paris se balader pour chercher un tabouret. Le dernier qui revient avec un tabouret est éliminé. À la fin de la vidéo, il ne restera qu'un. Oui, il a levé la main. On a le droit de prendre des trucs qui sont dans l'appart déjà ou pas? On a le droit mais on a le droit. Fouiller l'appart ça peut être une strat. On va tous rester là vu qu'il y a 6 étages à monter. C'est vrai qu'il y a 6 étages à monter, à descendre, il n'y a pas d'ascenseur. Mais attendez, je vous ai pas dit, mais il y aura un gage. Il y aura un gage pour tous les perdants. Tous les perdants. En gros, qui mettent bien gagnant. En gros, tous les perdants vont devoir prendre une photo Insta avec l'objet qui leur a fait perdre. Et dans la description, vous complimentez le gagnant. Vous l'arrobasez, vous dites ouais, c'est le meilleur. Non. Ok, ok, ok. Ouais, c'est ça, c'est ça. En gros, le gagnant, il gagne 100 000 abonnés Insta. Bon, bah les petits potes, j'espère que vous avez mis votre plus gros pouce bleu. Vous êtes abonnés, que ce soit ma chaîne ou la chaîne de tous les zigotos ici présents. Et puis nous, on peut y aller. Les gars, go tous sortir nos cartes parce que Dobby va pouvoir nous dire le premier objet. Est-ce que tout le monde a un masque et de quoi acheter? Ouais. Il est déjà prêt à partir. Ouais, c'est ça, le premier objet à ramener, c'est un déchet de la taille d'un point ou une poignée de déchets. Ok. De quoi, un déchet, des déchets dans la rue. Il veut que j'ai le coronavirus, lui, c'est trop. Oh là là. Oh les gars, il y a trop d'escalier. J'aurais dû fouiller la poubelle du Airbnb, gros. Wesh, c'est quoi ce délire là? J'ai trouvé, gros, c'est un déchet, je m'en bats les steaks. Je vais mettre ma plus grosse main dans la poubelle. C'est parti, les frérots. Bah attends, mais y'a une poubelle. Oh putain. Oh non, c'est dégueulasse. Ah, on est là pour dépolluer à la base. De la taille d'un point. Ouais, j'ai jamais eu. Ok, les gars, on a chopé ça dans la poubelle. Et ça fait la taille d'un point, ça. On est d'accord. On économise un peu de carburant, si je veux dire. On économise un peu de carburant. On a fouillé les poubelles. Vite. Bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Oh, on est bloqué. Appelle Dob Dob vite. C'est bon. J'ai pris ça, je sais pas du tout si ça va aller, mais ça me dégoûte. Ouais gros, faut que tu viennes nous ouvrir, on est en bas du Airbnb. Oh putain de sa mère. Eh, j'ai d'être ça ou quoi là? Il y a des cheveux, oh. C'est dégueulasse gros. Je crois on est bon là, je crois il y a des gens qui sont partis plus loin. On s'est déjà fait tuer. Laisse-moi passer. Oh, j'ai ça. Attends, on est dernier là? Une peau de banane. Pour le seul pour Gizzy, là, je suis parti en Belgique. C'est lui qui a éliminé du coup là. Gizzy. Ah, il a fait le trajet de Belgique pour être éliminé en premier. Bon bah Gizzy, tu pars en Belgique, frérot. Bah j'y vais. Je vais faire la photo dans le couloir, ça va? Ah oui, j'avoue, faut faire la photo. Est-ce qu'on peut applaudir Gizzy qui est venu de Belgique et éliminé en premier malheureusement? Et tu as ramené une bouteille de San Pellegrino. Ouais, tiens. Bah les gars, sachez que j'ai transpiré pour plus ou moins 13 secondes de jeu. Merci de m'avoir invité Michou. Bah n'hésitez pas hein, à vous abonner à ma chaîne, peut-être ça peut me faire plaisir. Un peu déçu, mais pas forcément étonné quoi. Salut. Donc là, le prochain objet à trouver, attendez le top hein, avant de partir, c'est une rose. Vous me ramenez pas un bouquet complet? Une seule rose. Oh non, pas descendre les escaliers encore. On est 10 à descendre et surtout il y a Doc. Ouais, ça veut dire quoi ça? Donc on est 12. Vite, on est premier, vas-y. Ah, mais ouvre la porte. Et les gars, c'est vrai qu'on a pas précisé, il y a pas le droit au GPS. Fleuris. Une rose. On fait une alliance. Oh, qui fait des alliances, la pierre, on fait une alliance. Bah vas-y, alliance fleuris. Des fleuris, normalement, c'est pas ce qui manque ici. Mais là, il y a un parc. Là. Ouais, mais il est fermé, non? Non, ils sont ouverts les parcs. Tu fais une alliance avec nous, toi? Allez, entre potes. Vous avez l'air d'être les plus intelligents, donc je vous suis. Oula, quelle erreur. Faut trouver un fleuriste. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a un fleuriste, s'il vous plaît? Oui, vous en avez un sur cette trou-là, je crois. Ok, merci. Y a pas des roses à Franprix? Moi, je reste avec Doc parce qu'on va trouver la rose en même temps et je vais le tracer. Gros, je te dis un truc, j'ai pris un abonnement live. Dès qu'on l'a trouvé, je prends notre roche.
bâtard. Un parc comme ça, il y a juste des pigeons, c'est tout. Ah là, il y a des trucs là, non? C'est sûr, il y en a. Comment on rentre là, frère? Oh purée, regarde, ils sont là. On peut pas rentrer, c'est un truc privé. Wesh, il doit y avoir des fleuristes là. T'as trouvé quoi? Il a vu un truc pour courir aussi vite. Ah non, tu vois le truc manucure? De loin, je croyais c'était une fleur. Attendez là-bas, c'est des roses là. Ah, il y a des roses dans la cour. C'est une rose ça? Non, c'est pas grave, c'est rose. Frère, c'est une rose, c'est une bébé rose. Attendez, il y a trop de gens qui nous regardent. On est en train de voler des roses. C'est quoi ce niveau? Si on finit en garde à vue parce qu'on a volé une rose. T'as les gars, il y en a vraiment là, mais c'est dur de voler ça. Oh, elle est magnifique celle-là, je suis dévasté. Non, moi j'y vais pas. Allez, les gars, venez, on se rend pas également. Bonjour monsieur, j'ai besoin d'une rose, s'il vous plaît. Bonjour, je suis avec un caisse pour... Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Ça va les gars, on a les roses, on a même un bouquet. Ils ont demandé une rose, on a un bouquet les gars, on est trop bien. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes d'ici? Vous savez pas où je pourrais trouver un fleuriste? Putain, il y a un fleuriste à côté, il est fermé les gars. Je pense que je vais tenter ça, hein. Je vais la tenter les gars. Ah ouais, vas-y, envoie un message si ça marche. Vas-y. Bonjour, est-ce que vous savez où je peux trouver des roses? C'est par là. Juste là. Merci beaucoup monsieur. C'est bon, ça a marché? C'est bon, merci! Monsieur, bonjour. C'est pour une vidéo, est-ce que je peux vous emprunter une fleur et je reviens la poser après? Merci beaucoup. Les gars, j'ai une rose. Attends, gros, voisin, une! Ah, y'a un fleuriste! Bonjour, est-ce que vous vendez une rose, s'il vous plaît, ici? Deux roses. Moi, c'est pour lui, j'offre. Oh, c'est pour toi, cette rose. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, au revoir. Ouais, les gars, on va la tenter, je vais la mettre comme ça. On est là ou pas? C'est une bébé rose, ça va passer. Respect au monteur qui va regarder tous les rushs de tout le monde alors que là, je parle pas. Merci à toi. Bien fleuriste sa mère. Excusez-moi de vous déranger, ce serait pour acheter une rose. Vous êtes la troisième. Ah, je suis le troisième à passer? Ouais. Ah d'accord. Merci beaucoup. Vous êtes génial, merci. Je vais les couper, y a pas de soucis. J'ai trouvé, super. Merci à vous. Merci, au revoir. J'ai ma rose les gars. J'ai jamais été aussi heureux d'avoir une rose gros. En passant une gros. Ok, après moi. Mais c'est bon, ils sont loin. Maintenant les gars, j'en ai pour 5 minutes et go. Ils arrivent. Yes! Eh ben, je peux aller tout doucement parce que je sais que Pierre et Lucas ils sont derrière. Et imagine, on est les deux derniers. Ah, ça se joue sur une droite, imagine, on est les deux derniers, Pierre. J'espère que je suis pas dernier, les gars. Je croise les doigts pour que quand j'arrive au Airbnb, il y ait pas tout le monde qui m'attend sur le canapé. Dites-moi que ça passe, s'il vous plaît. Oh, tu comment ça va dans la cuisine? Oh. Ah ouais! Moi c'est une rose sauvage hein! J'ai trop le seum parce que je suis allé à l'autre bout de Paris alors qu'il y avait un fleuriste juste à côté de la maison. Oh, ça a marché! Pierre, on fait quoi là? Ça se joue entre nous deux ou pas? Si on est deux derniers, je te laisse. Mais non, Pierre, vas-y! Oh, faites que je sois pas dernier! Non! Non. Y'a le temps. Eh, vous êtes pas les derniers hein. Ah, ok. Oh, c'est bon. Oh, Pierre, ça va mon pote? Dites-moi que je suis pas dernier. Ah ouais? Bonne nouvelle, dernier. Arrête. Tu m'embousilles. Oh, yes. Ça fait deux fois que j'arrive avant dernier. On est allé au même fleuriste, je pense. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Elle nous a dit. Ah, vous êtes le troisième. J'ai fait. Oh non. Appelle-le, dis-lui qu'il est direct à la gare Montparnasse. J'avoue, je l'appelle, je dis. Ouais, Bouzy, tu peux rentrer. Allô? Ouais, gros, bah, tu peux rentrer. Ah, les bâtards. Attends, j'ai une question. Est-ce que t'as trouvé une rose là? Ouais, j'ai un bouquet là. Un bouquet en plus? Oh, il est chaud. Vas-y, bah on t'attend, gros. Ouais, ça va. Ah, non. Il a trop le seum. Bouzy, il se tape pas la pire photo, il va faire une photo avec une rose. Ah ouais, voilà. C'est stylé. J'ai trop le seum. Putain, je suis vraiment une merde. On va le voir arriver avec le seum là, ça va être magnifique. Les gens ils ont cru que je m'étais pris un vent en plein date quoi. Ah ouais, j'avoue. Bon bah gros. Attends, on prend une rose, tu dois faire une photo Insta avec, gros. Hein. Bon les gars, encore perdu. En plus j'ai appris qu'il y avait un fleuriste juste à côté, j'ai trop le seum. Je suis allé à 2,5 km pour acheter un bouquet qui me fait perdre. T'en penses quoi, Kizzy? Franchement, je pense que dans la vidéo je vais apparaître 3 secondes. Moi 4 secondes 5. Donc merci de me faire passer un peu plus de temps quoi. Dobby, nous t'écoutons. Pour le prochain objet, il faudra votre téléphone obligatoirement, genre l'appli Snapchat, ou pour que quelqu'un puisse vous faire une signature, parce que vous allez devoir demander l'autographe d'un inconnu dans la rue. Et attends, du coup, vous pouvez utiliser l'appli Snap ouais, pour qu'il fasse avec moi une signature. Faut l'autographe d'un inconnu. On va arriver près de quelqu'un tout dégoulinant, tu sais. Faut prier pour trouver quelqu'un qui nous reconnaisse. Vas-y, vous êtes prêts? Vas-y. 1, 2, 3. C'est parti. C'est trop bizarre de demander une signature à quelqu'un. Bonjour monsieur, est-ce que c'est possible de me faire une signature? Non. Pas de soucis. Frérot, excuse-moi, dis-moi, non c'est pour un jeu, est-ce que tu peux juste signer là? Juste tu fais une fausse signature n'importe. Non. Bonjour madame, excusez-moi, on fait un tournage vidéo. Can you sign my Snapchat please? Can I have a sign or two? Je déteste déranger les gens comme ça. Je trouve des gens qui ont l'air sympas, mais personne n'a l'air sympa en ce quartier. Bonjour monsieur. Putain, je me prends des vents. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez juste signer ma photo s'il vous plaît? C'est pour un défi s'il vous plaît, c'est hyper vite. Thank you very much, thank you, bye bye. You can sign this just with your finger, yeah? Thanks. Have a good day. Je veux juste mettre une petite signature vite fait. Super, merci beaucoup. Très peu d'amusement pour ma part. On est ensemble les frérots. Ça va aller.
de Belgique. Bonjour, on fait un jeu. Le dernier qui ramène l'autographe d'un inconnu a perdu. Vous faites juste une signature et c'est bon. Est-ce que c'est pour un défi? Est-ce que tu peux signer ma photo? Pas de soucis. Oh putain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. J'ai failli annuler l'autographe. Non, ça s'est annulé. Il s'est annulé l'autographe. Parfait, merci beaucoup. Désolé de vous déranger, est-ce que vous pouvez juste faire une fausse signature ici? Bonjour monsieur, je suis en train de tourner une vidéo et on a besoin d'une signature. Mais demain sont occupés. Pas de soucis, j'attends. Encore plus long la signature, encore plus long quoi. Et on remonte les gars. Juste vous faites un gribouille, votre signature quoi. Merci beaucoup madame. Est-ce que vous pouvez signer ma photo rapidement s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. Vous voulez bien ou pas? Juste votre nom. Merci beaucoup. J'ai plus de retour. Je suis la première? Mais non. Je suis en train de tourner une petite vidéo, regarde, je filme pas. Je dois juste récupérer une fausse signature de quelqu'un. Vous pouvez me la faire s'il vous plaît? Je pense que pour une fois je suis bien. Oh, je suis pas premier. Je suis mort. C'est bon. Je l'ai enfin. Voilà. Merci beaucoup. C'est ridicule et je crois que je suis dernier en plus. J'en peux plus. Eh hey, moi je me suis fait recaler par 3 personnes. T'as eu ton autographe? Ouais, je l'ai eu. Aïe aïe aïe, Pierre Cross. Je crois que je suis dernier. En plus je reviens avec ça, ça va pas être validé. Je me cache et on fait genre que j'ai pas eu l'autographe. Mec, moi il dessinait sur une pancarte, tu dis vous pouvez me signer? J'ai attendez, j'ai demain un truc, je finis. J'ai attendu qu'ils finissent tout la pancarte, gros. Ils vont faire genre que Pierre il est pas éliminé les gars. Je suis dernier, non? Allez, Pierre! Pierre, vas-y, gros, il reste Michou, il s'est perdu. Putain, vas-y, j'ai trop le seum! Je suis éliminé, quoi! T'es là depuis tout à l'heure? Ouais. Ouais, je m'en doutais. Et du coup, tu vas devoir faire une photo avec cette croix. Ah oui, fin de game pour moi. Merci, Pierre Cross. Merci à tous, hein! Bah, les gars, on peut enchaîner, hein! J'ai perdu au 3ème tour. Ouais, je visais la finale parce que je me suis entraîné. Mais j'ai craqué quoi, c'est des choses que je travaille à l'entraînement depuis pas mal de temps. Je remercie évidemment tout mon staff qui a cru en moi. Ma famille aussi, qui m'a toujours entraîné à ramasser des poubelles pour être plus rapide sur l'épreuve 1. Michou, je crois qu'il y a un gros potentiel. Je crois aussi fort à Lucas Studio forcément. Puis à l'année prochaine quoi. Et 11h30, on commence à avoir un petit creux, tu vois. Donc là, si vous voulez manger, vous pouvez choper un sandwich bio, obligatoirement. Sandwich bio. T'inquiète, c'est bon, à côté du choriste. Ouais, ça marche. Putain, si je perds sur l'épreuve du sandwich, alors que je suis le plus gros mangeur de la team. Pop. Allez, let's go. Putain. Ah, j'ai un bail, hein. Si tu veux sûr ou quoi. Bah, le market fait ça ou pas? Ah non, c'est le bio, c'est bon, à ce qui paraît à côté du choriste. Ah ouais. Moi je suis inox et Riyad, ils ont l'air de savoir. Sandwich bio, on veut un sandwich bio. Oh, il y a un bio, c'est bon, tu vois là-bas. Oh, bien joué. Oh, il y a un Franprix. Bonjour. Là, il y a pas bio. Bah wesh les gars. Eh, ça je m'en fous, c'est bio. Il y a pas écrit bio. Qui mange ça, bro? Il y a pas écrit bio. J'ai trouvé une boulangerie. Putain, j'espère que c'est bio. Excusez-moi de vous déranger, vous savez si vous vendez des sandwichs bio, vous en avez pas? Ah mince. Gros, on est mort frère. Oh sa mère. Bonjour, est-ce que vos sandwichs sont bio? Vous voulez dire les ingrédients qui sont derrière? Ah merde, bah c'est pas grave. Là j'ai le seum. Là j'ai méga le seum, j'ai attendu 10 minutes dans un truc qui fait pas de bio. Je cherche un sandwich bio. Tout le monde est court comme ça pour un sandwich bio? Tout le monde. Bonjour monsieur, est-ce que vous faites des sandwichs bio? Non, il n'y a pas de sandwich bio. Ils vendent des sandwichs, hein. Sandwich bio. Ça va ou quoi, Inox? J'en peux plus. Là. Quel crack, il est trop fort, putain. Vas-y, je paye les deux. T'es sûr? Quel frère, bonjour. Ouais, Ryan, Carrefour City. Allez, y'a du bio là. Non, gros, non. Go Monop. On s'est fait douiller. Putain, y'a un magasin bio là, frère. Y'a un magasin bio, il est fermé. Eh merde. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver un sandwich bio? Sandwich bio. Ça vous parle ou pas? Non. Merci quand même. Par carte, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, go. Là, ça sent mauvais, là, je le dis, ça sent mauvais, les gars. Viens, gros. Mec, si on n'a pas la Riyad, je comprends pas, les gars. Non, c'est bon, gros, c'est bon. Mec, ça c'est bio. C'est bio naturel, l'air 100% de ton naturel, c'est bon, viens, on prend. Bonjour, monsieur, est-ce que vous faites des sandwichs bio? Vous savez pas où on peut en trouver? T'as des Naturalia et tout sur la. Naturalia? Ouais. Ok, merci beaucoup. Les gars, ça c'est largement bio. C'est bio de fou, frère, c'est bon. Merci, au revoir. Mec, tu sais quoi? Comme t'as trouvé le sandwich, si on est les deux derniers, je te laisse passer devant. On sera jamais les derniers, gros. Ouais, mais passe devant quand même, c'est vrai que t'as trouvé le sandwich, tu mérites. Oh, le Naturalia, El Famoso, les gars. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous vendez des sandwichs bio? Ouais, non. Merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous faites des sandwichs? Non. Ok, merci. Putain, mais vas-y, c'est introuvable cette merde. Et merci à Pierre Cross. Hein. Et merci à Pierre Cross. Est-ce qu'on est les premiers? Au moins pas les derniers. On est premiers? Non. C'est good. Oh yes. Petit sandwich bio oriental. Oh yes. Est-ce que vous faites des sandwichs bio? Non. Non? Je me prends refus sur refus, bordel. Oh, Naturalia. Il y a un truc qui s'appelle Naturalia. Oh putain, y en a pas. Non, il y en a pas ici. C'est une mytho, t'en as un. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Merci, monsieur. J'ai pris le grec, les gars. Gardez le ticket, vous pouvez tout garder. Ce qui est bien, c'est que comme il y a Pidi derrière moi, je sais que j'ai pas perdu. Merci, au revoir. J'ai pas le code. Non. Eh, je vois quoi devant moi, un McDo? Eh les gars, franchement, je pense que je vais perdre. Du coup, je vais me ramener avec un McDo et je vais dire, bah quoi, c'est pas bio ça? Ah, y'a Michou, y'a le code. Vous êtes bloqué? On est bloqué, gros, depuis. J'ai le code. Ils étaient bloqués, ces gogoles. C'est bon, là, on est pas dernier, c'est impossible.
T'es déjà arrivé? On arrive tous les jours, on arrive assez. Oh, vous êtes chaud. Viens faire la vérifie ici. Tu peux vérifier? Il y a écrit bio dessus, gros. Mais il y a écrit bien fait, donc c'est bio. Non, ça a l'air bio, ça a l'air bio. Regarde le nombre de calories. Voilà, un petit menu McFeur, ça va mettre bien ça. Voilà, les gars, voilà, hein, on a perdu. Hein. La sixième. Oh, je suis la dernière. Mais non, Valouz, il est pas là. Pidi, elle a tout donné pour au final perdre. Mais non, il manque Valouz. Mais oui. Valouz, il a perdu sur le sandwich bio. Valouz, il a mis un message sur le groupe. Il a mis, c'est introuvable. Et sauf que, bah nous, on a tous fini depuis 10 minutes. Donc, je vais appeler Valouz. Ouais, gros, tu trouves pas? C'est vrai? Bah, j'ai une mauvaise nouvelle. T'es où? Tu cherches des sandwichs bio au McDo toi aussi. Vas-y, à toutes. Bon les gars, j'ai appris la triste nouvelle par téléphone que j'étais éliminé, mais on a le McDo. Et ce qui est marrant, c'est que je vais devoir faire la photo avec l'objet du perdant. Et mon objet, c'est quoi? Bah ça, un McDo. Wesh les gars, ça va? Je suis pas trop en avance. Mais non, vous allez chercher un McDo, frère. Bah c'est la fin pour moi hein. Mon petit pronostic en tout cas. Pidi les gars parce qu'elle a la chat, je fous. Allez Pidi. Du coup là, vous vous rappelez tout à l'heure, vous êtes allé peut-être dans des endroits demander des choses et tout. Donc peut-être ils vous ont mal vu, mal perçu, ouais. Là vous devez aller me choper un dessous de verre dans un bar. Un dessous de verre en fait. Un dessous de verre dans un bar. Bah n'importe où hein, c'est un dessous de verre. Un dessous de verre. Ça commence quand? Maintenant. Oh les gamins ils ont commencé. D'où ça commence maintenant? Je sais pas où je vais à droite, c'est parti. Attends, mais il y a un bar en face. Bonjour madame, je fais une vidéo, c'est pour une vidéo YouTube, j'ai besoin pour gagner le défi un dessous de verre. Je vous remercierai beaucoup. Bonjour monsieur, est-ce que c'est possible de vous emprunter un dessous de verre? Je viens vous le rendre juste après. En fait, on fait une vidéo et en fait, on a un défi, on doit ramener juste un dessous de verre, je vous le rends direct après. C'est quoi ça? Bah, un dessous de verre, parce qu'on met en dessous le verre. Logique. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En principe, à une vidéo, on a un défi de ramener un dessous de verre. Est-ce que c'est possible de vous en acheter un ou. Ah, non, monsieur. Ne vous avez pas? Ok, pas si, désolé, bonne journée. Et barrez-vous, vous! S'il vous plaît, madame, un seul. Merci, madame, en donner un aussi, s'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Ah, bah merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, madame, vous êtes la boss, vous êtes la boss. Merci beaucoup. Ça a duré deux secondes. Pourquoi? Bonjour, je participe à un défi pour une vidéo. Je dois récupérer un dossier de base. Est-ce que je peux vous en acheter un par hasard? Un truc comme ça, je peux vous le prendre? Oh bah merci, c'est très gentil. Bonjour, j'ai besoin de retraite pour une vidéo. Toi aussi? De quoi? Toi aussi, c'est un dessous de base. Oh, vous en faites? Oh, merci beaucoup. Et à tous ces copains qui sont venus. À tous. Oh, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Putain, tu sais que la meuf, elle m'a dit tous tes potes m'ont emmené. Mais non! On n'est pas premiers, nous! Oh là là! Il y avait un bar juste en face, elle nous a donné direct. Oh non, si c'est que nous deux, il a gagné, c'est sûr. La dernière ligne droite. Lucas, t'es dernier. Oh non, vous avez tous un? Avoue, tu savais pas que t'étais en duel 1v1 là. Bah en fait, là, non. Vous êtes tous allés chez celle en face là? Ouais, en face, juste en face. Oh non, ça arrive, mais au moins j'ai gagné un beau dessous de verre, ça c'est l'avantage. Tu peux même faire une photo Insta avec si tu veux. Oh, incroyable, je suis venu pour ça moi. Écoutez, je tenais à me confesser avec ce dessous de verre à côté d'un lavabo. Bah voilà, j'ai pas été à la hauteur. Je pense que j'ai perdu simplement parce que ma stratégie était pas bonne. Je suis allé voir un bar où ils parlaient anglais et ils savaient pas ce que c'était un dessous de verre. Du coup, je suis allé à un autre bar à côté, sauf que tout le monde était passé par là entre temps. Et c'est ce qui a été fatal. J'ai perdu à la course finale en plus. Inox, je le sens très chaud. Donc voilà, je vais parier sur Inox là-dessus. Et en tout cas, je leur souhaite bon courage à tous parce que moi, je suis vraiment mort. Par contre, j'ai gagné un dessous de verre. Et ça, c'est pas négligeable. Meilleure récompense de la vidéo. Ici, il va peut-être avoir un peu les doutes, tu vois. Genre, ils lui ont demandé quand il a fait son achat, il a dit non, j'en veux pas, tu vois. En fait, quand t'achètes un t-shirt, c'est souvent avec un cintre, tu vois. Un cintre. Mais les gars, on est plus que 5, c'est la guerre. Eh, sachez que je vous aime, les potes. Moi aussi. Moi aussi, je vous aime. Mais là, il y a pas de pitié. Oh, il y a un magasin de vêtements en face. Bonjour, je participe à une vidéo et pour un défi il me faut un cintre. Pour ça, c'était possible d'avoir un cintre. Vous voulez garder le cintre après? Je peux vous le ramener après si vous voulez. Dès qu'on redescend, je vous le repasse. Merci à vous, c'est gentil. Bonjour madame, je vais acheter ça s'il vous plaît le plus rapidement possible. Oh, je suis dans les vêtements pour filles. C'est un petit peu gênant. Bonjour. Écoutez, vous faites 36,99€. Par carte s'il vous plaît. Ah, t'achètes un truc? Ouais. Free les gars, on l'a. Merci, au revoir. Madame, c'est possible d'avoir que le cintre? Gardez-le. Oh, merci beaucoup. S'il vous plaît, madame, on vous la ramène. Ah, d'un boulot? Ouais. Merci beaucoup. Là, je l'ai jamais. Merci beaucoup, madame. Arrête, Michou. J'ai pas le code. Mais Michou, t'es un bâtard. Mais on a pas le code, gros. Mais non, gros. Pouh. Oui, j'en peux plus. Oh, putain. Attends, mais t'as acheté quelque chose?
J'espère que je suis deuxième. Vide. T'avais pas besoin d'acheter le soutif, hein? Moi, je veux que le centre. T'as payé combien le soutif? 35 euros. J'ai enfermé Inox et Riyad en bas, hein. Là, ça va être la bataille. Allo, Dobby, c'est quoi le code? Vas-y, bon, bah, bon, bah, bon. Ok, Doc, il est pas encore là. On a le temps. Oh, Riyad. Quoi? Non, tu me l'as mise. Il me l'a mise. Je lui ai dit, on a le temps, y'a pas d'oc. C'est pas possible, tu m'as trahi. Nous, on était tous les deux derniers, gros. Ciao, frérot. Non. Le ref. Ça y est, c'est le moment du confessionnal. Voilà, j'ai une histoire, j'ai un background, j'ai un passé. J'ai une histoire. Voilà, comment je me suis fait éliminer, c'est simple, hein. Trahison de Inox, en plein cœur. Voilà, on s'était fait des promesses au début de l'aventure, on s'est dit qu'on allait continuer à deux. Mais malheureusement, voilà. Donc voilà, Inox, je t'en voudrais toujours. Voilà, j'espère que tu vas perdre au prochain tour. Et voilà, je souhaite bonne chance à tous les participants, sauf à Inox. Je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu et d'avoir pris une photo avec un cintre. Du coup, là. Promo quand même pour Michou, avec un inconnu en débardeur de faire une vidéo où il dit comme créateur Michou quoi. Non, que l'inconnu soit en débardeur. Faut trouver un inconnu en débardeur et il doit dire comme créateur Michou Croute, hein, pas Inox Tag ou Doc Jay-Z, les gars. Wow. On est d'accord que débardeur c'est sans manche. Sans manche, ouais. Bonjour madame, excusez-moi, c'est pour une vidéo. Est-ce que vous pouvez dire code créateur Michou Croute, s'il vous plaît? C'est physique, hein, son jeu, les gars, c'est très physique. Attends, mais c'est trop dur, frère. Faut aller dans une rue où il y a du monde. Oh, excusez-moi, on fait un défi et on doit demander à quelqu'un en débardeur ou sans manche de dire code créateur Michou à la cam. Ouais. Enfin, YouTube, est-ce que ça vous dérangerait de le faire pour moi? Non, c'est gentil. Code créateur Michou. Merci beaucoup, c'est très gentil, bonne journée. Code créateur Michou Croute. Merci. Ça sert à rien de courir, c'est de la chance. Oh, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je trouvais quelqu'un en débardeur qui dit code créateur Michou Croute. Ça vous dérangerait ou pas? Putain, bien joué le coup de la meuf, Fizzy, t'es la meilleure encore. Ouais, ok, je suis avec le ref. Salut à tous, alors du coup, n'oubliez pas les gars, le code créateur c'est Michou Croute. Voilà, M-I-C-H-O-U-R-C-R-O-U-T-E. Tout pareil. Allez, le boss, merci beaucoup. Allez, un peu de chance s'il vous plaît, un peu de karma. T'as réussi? J'ai trouvé. Michou l'a trouvé les gars. Oh là là, Inox il est pas bien. Ça va bien? Eh, hey, t'es chaud, on fait un bail. Vas-y. T'es chaud? Viens avec moi, viens avec moi. Eh, je vais acheter un débardeur, tu le mets et tu dis code créateur Michou Croute. Vas-y, on fait ça. Oh les gars, j'ai galéré à trouver, frère. Bon gros, c'est pour les meufs, mais on s'en fout. Bonjour, vous avez des débardeurs? On peut pas tester. Essayez. Ouais. C'est juste pour une image. Ça vous dérange? Non. Lourd, tu le mets en deux slits. Vas-y, on fait ça vite. Quel bail gros. Normalement, Inox il est derrière moi. Les gars, j'ai donné ma vie là. J'espère que je suis pas dernier. Arrête. Non, c'est bon. Oh, Inox, tu peux sortir. Mais non, vous trollez, j'ai gagné là. Oh, tu m'avais peur, Bibi. Mais y'a pas Inox. Non. T'as la classe là. Code créateur Michou Croute. Michou Croute. Le boss, t'as d'être ça. Bon, je trace. Vas-y, gros. Merci beaucoup de nous suivre. Bonne journée. Au revoir. Désolé, hein. Vas-y, j'appelle Inox en FaceTime. Je crois que Michou il m'appelle. Salut Inox. Salut Inox. Ouais. Tain les bâtards. Mec, j'ai tenté un truc, hein. J'ai trouvé un abonné de 18 ans ou je sais pas. Je lui ai dit enfile ça dans un magasin. Il l'a enfilé, il a dit code créateur Michou Croute. Mais c'est vrai. C'est incroyable gros. Mais attends, parce que du coup va falloir que tu fasses la photo Insta avec. Oh putain de sa mère. Mais mec, l'abonné je le retrouverai jamais, hein. Il s'est barré. Vas-y, bah tu prendras un screen de la vidéo. Vas-y au pire, ouais. Vas-y, on fera ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, bah à toutes. Oh, j'ai la haine. Ah là 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 là. Eh mais mec, par contre, ce que t'as fait, c'est incroyable. C'est un beau final, hein. Comment vous dire que j'ai un peu le seum parce que je me sentais bien parti et tout. La petite alliance avec Riyad, je m'en souviendrai toujours. La trahison, je me suis fait karma, hein. Le karma est arrivé aussitôt. Je sentais pas que j'allais gagner de manière, je sentais GG à tous les participants. Bref, la trahison, c'est pas bien, les gars. Ne trahissez personne, sinon, ça vous retombera dessus. Sur ce, tchuss. Demi-finale les gars. Oula. Dobby, on t'écoute. Tu veux y aller en trotte? Je pense que tu reviendras peut-être pas en trotte. Faut que tu vois comment tu fais parce que vous devez aller dans un cinéma, prendre une photo dans une salle de cinéma avec des popcorn et revenir ici avec le... Ouais. Faut prendre une photo dans le cinéma avec des popcorn et faut revenir avec les popcorn. Bonne chance les potes. Bonne chance les filles. Je vous aimais, mais moi j'ai une vidéo à gagner là. Hop, sur ma porte. Excusez-moi de vous déranger, vous sauriez pas où il y a un cinéma dans le coin? Juste avant la Bastille. T'as les bâtards, Bidi et Doc, ils m'ont écouté demander et ils ont été à ma place. Je vais demander à un gars qui passe en vélo s'il veut m'amener au cinéma. Est-ce que vous savez où il y a un cinéma le plus proche? Vous voulez pas m'y amener? Putain. Attends, je vais demander. Bonjour monsieur. Faut que je trouve un cinéma au bout de la rue à droite. Merci beaucoup. On s'approche du cinéma les gars. Oh, il est là.
Tu sais pas où il y a un cinéma le plus proche? Cinéma le plus proche, non. Non. Je voudrais que je le voie si on est internet. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Bonjour. Je dois faire une photo dans une salle de cinéma avec un paquet de popcorn et je dois ramener le paquet de popcorn. Vous avez une séance qui est parfois à 14h54. Et le cinéma s'appelle comment? C'est le MK2, sauf que c'est vraiment celui qui est à côté. Ok, merci infiniment. Putain, fait chier. Il était ouvert en fait, mais il n'y avait pas de séance. J'ai essayé de gratter pour rentrer, mais il voulait pas me faire rentrer. J'ai trop le seum. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a un cinéma le plus proche? Ah, tu dis quoi? Ouais, tout droit? Ouais, tout droit. Oh, il est là le MK2, mais il est juste à côté. Bonjour madame, c'est pour acheter des popcorn, s'il vous plaît. Bonjour. Pour faire une photo dans votre salle. Bonjour, la même que elle, s'il vous plaît. Bonjour, ce serait possible d'avoir un ticket pour la prochaine séance, s'il vous plaît. Avec du popcorn, s'il vous plaît. Ça va être au fond à droite? D'accord, merci beaucoup. Les gars, voilà, je suis arrivée. On est posé, frère. Bonne journée, merci à vous. On voit rien. Je vais même pas regarder le film. On fait la photo. Merci, madame. J'ai fait la photo, les gars, c'est bon. On se barre. Merci beaucoup. Tu me prends sur ta droite ou quoi? Non. Enculé. C'était pour sortir. Merci. Il a dû rien comprendre, frère. Je viens d'acheter des pop-corn, un ticket de cinéma. Et là, je viens de lui demander, c'était où pour sortir? Hé, hey, tu me prends sur ta droite, s'il te plaît. Tu vas vers où? D'ailleurs. Allez, let's go. Il y a plus qu'à courir jusqu'au Airbnb. Et let's go, quoi. Ok, les gars, on lâche rien. Mais là, on est bien grosse ligne droite en trotte. On a le paquet de pop-corn, tout va bien. Vas-y, trace. Mais attends, mais on l'a dépassé là, non? J'arrive pas à reconnaître. J'ai trouvé, merci beaucoup. Ah, t'as amené Pidi? Ouais. Mais vous êtes sérieux? Fallait pas, wesh. J'ai vu une trottinette de Doc. Allez, Michou. Hein? Ça s'est joué à 10 mètres, frère. Et je sais pas, c'est pas arrêté, je crois qu'elle a pas reconnu l'appartement. Cimer, les gars. Je suis dernière? Non. Il est caché. Non, il est pas caché. Oh, donc je sais que Pidi, elle est déjà arrivée. Franchement, je suis en train de croiser les doigts, les gars. Je suis en train de prier pour que Doc soit pas arrivé. Il arrive. Oh, y'a Michou! C'est pas possible! Mais non! Mais t'as tracé! Ta gueule, je sais qu'il y a Pidi! Elle allait vite, Pidi! Hein. Il est là, Doc, ou pas? Oh, s'il y a Doc, je pleure! Pas bon. Oh non! Mais j'ai été trop vite, wesh! Mais non! GG, les gars, c'est plutôt en finale! T'as payé une place? Bah ouais! Nous, on a pas payé de place, hein! Vous avez fait comment? Ouais, c'est... C'était une meuf? Ouais! Mais c'est le premier cinéma! Ça veut dire que je suis arrivée avant vous au cinéma, j'ai négocié, elle a pas voulu, et elle vous a vu arriver, elle s'est dit, oh vas-y, on va faire. Ouais, on fait pas de bruit, le film. C'est vrai? Ouais! Putain, mes frères! En gros, j'ai négocié pour. Bon les gars, je passe au confessionnal. Alors du coup, j'ai été éliminé en demi-finale malheureusement. Je suis désolé pour tous ceux qui m'ont soutenu les gars. Sachez que je vous aime, j'ai tout donné pour vous, j'ai tout donné. Je vais pleurer parce que vraiment je voulais gagner ce défi. Tu pleures, Michou ? Mais laisse-moi pleurer, frère. Par contre, en vrai, si je devrais donner un pronostic entre Pidi et Doc, déjà, j'aurais pas cru que la finale ça allait être Pidi et Doc. J'avoue, j'aurais pas misé sur eux. Entre Pidi et Doc, je pense que. En vrai, je mets ma pièce sur Pidi. Maintenant, on va bien voir. C'est parti. Ah, voilà, c'est le rôle de la transition. Allez, prochaine étape. Doc, j'ai dit. Je tenais déjà à vous remercier d'avoir participé à cette vidéo, à vous féliciter. Malheureusement, c'est ma vidéo, donc c'est moi qui gagne. Non, en vrai, prochaine épreuve, je trouve qu'on a pas mal visité Paris et tout, mais on s'est trop précipité dans cette vidéo. Moi, j'ai envie que vous alliez prendre une photo devant le Panthéon dans Paris. C'est un monument de Paris. Il n'y a pas le droit au GPS, donc si vous voulez trouver c'est où le Panthéon, c'est quoi, faut demander aux gens. Et dans cette photo, vous allez devoir être avec un inconnu. Voilà, il tape la pose avec vous en mode photo Insta et c'est carré. Okay. Voilà, vous pouvez y aller. Allez, bon courage, bonne chance. Je suis un peu stressée, j'avoue. Ah ouais, ça va être chaud. Bisous. Excusez-moi, est-ce que vous savez ce que c'est le Panthéon? Oui, c'est un monument. Et c'est vous savez où je peux le trouver? Par là-bas? Ouais, par là-bas. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Il y a un bus. Bonjour monsieur, est-ce que vous passez près du Panthéon? Non. Non? Pas grave, merci, au revoir. Ok, on va prendre une trottinette quand même les gars, je pense que ce sera plus simple que d'y aller à pied. Bon les gars, on va prendre le métro du coup. Excusez-moi monsieur, je cherche à aller au Panthéon. Pour aller au Panthéon, ouais. Alors le Panthéon c'est où du coup? Oh l'enfer, mais je connais pas du tout Paris, moi je suis paumée. Si, on est là. En direction la Défense. Tu descends à Châtelet. Ouais. Châtelet, tu prends la ligne 4 et tu descends à Saint-Michel. D'accord. Merci beaucoup. Putain les gars, c'est galère hein. Je connais pas du tout Paris, c'est infâme. Bon, on va suivre les voitures. Doc, je sais pas ce que ça donne de ton côté, mais j'espère que t'es pas en mode chill toi. Parce que là moi, je me tue de ouf là. Ok les gars, j'ai pas tout filmé, mais j'ai demandé à plusieurs personnes. Et apparemment là, je suis sur la bonne route, je sais pas si Pidi est déjà. Mais à skip, on est sur la bonne route, donc on va continuer. On va essayer de le trouver. Allez, c'est parti.
Est-ce que vous savez où je peux trouver le Panthéon? Tout de suite là à gauche. D'accord, merci beaucoup. Apparemment c'est par là. Oh, il est là. Et je crois que je me rappelle du chemin pour le retour, donc on est pas mal. Alors du coup, là on est à Châtelet. On va prendre la ligne 4. On va s'arrêter à Saint-Michel. Et normalement, depuis Saint-Michel, on va pouvoir rejoindre le Panthéon à pied. Bon, au moins on l'a trouvé. Il y a plus qu'à faire la photo. On fait demi-tour, on rentre et c'est bon. Même si on perd, on aura fait le beau jeu. J'espère que je suis sur la bonne route. Monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander un petit service? Joue un jeu, enfin on fait une vidéo où en fait on doit remplir des défis le plus vite possible. Et mon défi c'est de faire une photo ou une vidéo devant le Panthéon avec un inconnu, enfin une personne que je connais pas. Est-ce que ça vous dérangerait juste de passer devant moi qu'on puisse faire un screen, que ça fasse une photo et tout ça? Juste on se fait devant le Panthéon, qu'on voit nous deux le Panthéon et c'est tout, je vous embête plus. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir. Putain, mais il y a la blinde de sortie en plus. Bonjour, excusez-moi. Je cherche à rejoindre le Panthéon. Ah, vous savez pas? On est pas d'ici. Ah merde. Attends, Panthéon, on va trouver tout de suite. Je sens que je vais perdre les gars. Pas très loin. Ah ouais? Ok, super. Et merci beaucoup de votre aide en tout cas. Bon, allez, c'est parti. Ok, maintenant qu'on rentre avec l'eau. J'ai pas vu Pidgey, mais je pense qu'elle est déjà rentrée. En vrai, je pense que Pidgey est très forte, les gars. Valouz vient d'envoyer dans la conversation vous êtes où. C'est bon signe pour moi. J'arrive. Oh, est-ce qu'il dit ça pour mettre la pression ou il y a vraiment la photo avec le Panthéon? Là pour le moment je reconnais pas du tout hein. Mais j'espère vraiment que Doc il est pas arrivé. Attendez les gars, il y a le McDo qui est juste ici. C'est bon les gars, je suis à deux rues. Oh, regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. J'ai trouvé le Panthéon. Bonjour madame, je fais une vidéo sur YouTube et la première personne qui a pris une photo avec un inconnu au Panthéon il a gagné. Est-ce que vous accepteriez de faire une photo avec moi? Oui, y a aucun problème. Merci beaucoup. Ok, on y est. Est-ce qu'on est premier? Oh, au revoir. Merci beaucoup. Elle est incroyable la photo. Ok, maintenant faut que je reparte. Oh, mais non. Oh, mais non. Je sais que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Je n'y crois pas, donc je vois pas le pif passer ici. Ah, il y a un métro là. Je prends le RER, ensuite je prends la ligne 6 et j'arrive au Airbnb, on verra bien. Oh, Pidgey. Les bâtards. Mais non, c'est pas vrai, t'as gagné. Mais non. T'as bon, t'as vraiment gagné. T'as vraiment gagné. Il arrive pas. Non, t'es pas vu. Mais moi, Pidgey, on est parti, elle a disparu, frère. One eternity later. C'est parti, faut que je rejoigne le Airbnb. C'est là-bas. La fille. Il est parti fumer une clope encore. Mais non. Ah ouais. Elle est bien la photo. Elle est bien, tu pourrais la mettre sur Instagram. Ouais. Ça serait bien sur Instagram. Il faut qu'on le dise. Il est là. Ouais, Doc, il est là. Ah non. Ça fait une heure qu'il est là. Il arrive, il a plus de temps. En fait, il a le téléphone. Trop de temps. En vrai, c'est une bête de photo. Ah, elle est là. Tu sais qu'ils m'ont dit que t'étais pas arrivé. Mais non, bah du coup, ouais, ta photo, je pourrais la mettre sur Insta. Hein. Et bah, GG, quoi. GG à toi. GG. Bravo, les gars. GG à tous. Du coup, c'est Doc qu'on va devoir identifier sur Insta. Ouais. Hein. Ouais. Bon, bah, les gars, la vidéo touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Encore un gros bravo aux gagnants. On peut l'applaudir. Bravo! J'allais dire, on tourne, c'est tout trop. On sait toujours pas c'est qui le gagnant, mais c'est pas grave. GG à lui quand même. Les gars, si vous avez kiffé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Dire dans les commentaires, voilà, ouais, j'ai kiffé. Comment on pourrait améliorer le concept pour peut-être un épisode 2. Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao les boys. Et encore merci à tout le monde d'avoir été présent.